Karen, rebonjour. On est là pour parler de ce spectacle musical Aznavour pour ses 100 ans qui est organisé et réalisé par l'Amicale arménienne de Montpellier. Alors, que se passe-t-il? Quelques mots peut-être sur l'association l'Amicale arménienne de Montpellier. Oui, bonjour Élie, merci de m'avoir invité sur votre plateforme. L'Amicale arménienne de Montpellier a été créée il y a 48 ans, initiée par le professeur Gérard Dédéan, pour objectif de favoriser la conservation de notre identité à travers les cours d'arménien, les cours de danse, cours de musique, des repas, des conférences, des voyages, et également venir en aide à l'Arménie en cas de besoin. Également, en troisième souhait, favoriser l'échange entre les Français et les Arméniens à Montpellier. Et alors, ça représente une forte communauté? La communauté arménienne sur Montpellier n'est pas très grande. On pourrait compter entre 150 et 200 familles. Et nous avons à ce jour 85 adhérents environ et une vingtaine d'élèves pour le cours d'arménien. Quinzaine pour le cours de danse. C'est une petite communauté assez active à travers l'amicale. Bon, bah ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, on va parler bien sûr de la chose qui nous intéresse, c'est ce fameux spectacle qui a lieu ce samedi au Palais des Congrès de la Grande Motte. Alors, je suppose qu'on doit être en train de transpirer du côté de votre amicale parce que, il faut que tout se passe bien, il faut que ça se remplisse. Alors, mon petit doigt m'a dit que ça commençait à bien se remplir, donc c'est déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ces 90 minutes de spectacle, je suppose, sans rentrer bien sûr dans les détails, parce que le but du jeu, c'est que les gens y viennent, mais il va y avoir bien sûr du Charles Aznavour avec des interprétations un petit peu différentes. Oui, alors tout à fait. Donc c'est un spectacle musical, c'est-à-dire nous avons une scène comme un théâtre. Nous avons un très grand vidéoprojecteur, donc on sera comme au cinéma et en même temps nous avons un concert avec les 16 chansons d'Aznavour les plus connues. Également, il y aura des animations, ce sera une rue de Montmartre, on aura le piano, l'accordéon, le doudouk, l'instrument arménien, donc la basse, batterie, guitare, clavier et chanteur. Donc nous avons 17 artistes sur scène, également un peintre qui va animer, qui va représenter, être comme déco sur scène. Donc le spectacle va durer 1 heure et demie. Donc pour ces 1 heure et demie, nos artistes travaillent depuis 9 mois et qui répètent chaque dimanche à l'association, à l'amicale, pour amener un niveau afin de rendre hommage à notre père Charles Aznavour, qui nous est très cher au peuple arménien. Donc on voudrait être à la hauteur. Alors, je vois Le déjà qu'il spectacle. y a... Ouais. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est vrai que ça met l'eau un petit peu à la bouche, tout ça. Alors, en plus, avec comme thématique Charles Aznavour, ça ne peut que être splendide. Alors, si les gens veulent venir à ce spectacle, s'ils veulent réserver, comment ça se passe exactement? Nous avons mis en place un QR code, c'est-à-dire sur l'affiche, vous avez à flasher le QR code par votre téléphone et accéder à l'OASO et réserver votre place. Deuxième solution, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas habitué à l'informatique, vous pouvez appeler par téléphone indiqué en bas à droite. Je reçois votre appel et je note votre nom et vous payerez votre place sur place. D'accord. Et si on n'a pas réservé et qu'on vient quand même au Palais des Congrès de la Grande Motte, c'est jouable aussi. Oui, pour l'instant, donc le Palais des Congrès compte, on a 450 places, l'auditorium, et nous sommes à ce jour à environ 350 sur. Donc il reste encore centaines de places. Donc on va encore prospecter aujourd'hui à travers votre chaîne aussi, donc pour remplir, vraiment pour remplir la salle, puisque la scène est magnifique, c'est à vivre, à ne pas manquer.
ça serait dommage. Alors, outre le fait, bien sûr, d'avoir bien écouté tes revendications pour pouvoir réserver sa place, il y a aussi une façon aussi relativement simple de réserver son ticket, c'est d'aller sur Hello Asso, de taper l'association amicale arménienne, et là, on tombe directement dessus. Alors, les gens peuvent se poser la question. Alors, je vais rassurer les gens, ça veut dire que pour stationner à la Grande Motte, il y a un très grand parking gratuit qui est juste à côté, à 3, voilà, 5 minutes en gros à pied du Palais des Congrès. Mais il y a aussi, parce que ça c'est quand même relativement important aussi hein, pour pouvoir venir. Tout à fait. Nous avons 800 places gratuites. C'est un parking public qui est à 5 minutes à pied, comme tu as indiqué, Willy. Donc, vous venez en voiture, vous garez là et à pied. Vous avez l'ouverture des portes à partir de 19h. Nous avons une dégustation sur place, également un exposé sur l'Arménie, sur le tourisme éco sur l'Arménie, présenté par une association française où nous avons l'un des adhérents qui fait un stage là-bas dans le tourisme, c'est à Grenoble. Donc, on a déplacé la présentation chez nous, l'exposé, afin de vous faire part de magnifiques paysages d'Arménie aussi dans le hall, avec des vidéos et des pancartes également, et une guide à votre disposition. Parfait, on a tout bien compris. Et puis alors, dernière question, ben, combien ça coûte si on veut venir voir le spectacle? Pour les adultes, c'est 20 euros, et enfants entre 4 et 12 ans, c'est 10 euros. Et Largement sans abordable pour tout numérotation. le monde. Ouais, largement abordable pour tout le Voilà. monde quand même. Ouais, pour un concert d'Aznavour, Ouais. ouais. Nous, on ne voulait pas que le prix soit un frein. On voulait vraiment faire venir. On a mis un prix, puisque c'est un concert caritatif, on veut juste couvrir nos frais. Donc, on a mis un prix abordable pour les familles aussi. Parfait, on a tout bien compris. Karen, on vous rappelle bien sûr l'événement à ne pas manquer, c'est le spectacle pardon, musical Aznavour. Les 100 ans, c'est ce samedi 6 juillet avec l'association l'Amicale arménienne de Montpellier. Et bien sûr, ça va se passer au Palais des Congrès de la Grande Motte. C'est facile à trouver, c'est dès l'entrée de la Grande Motte. Vous ne pouvez pas du tout vous tromper derrière le casino Partouche. Comme ça, on sait tout. Et vous pouvez même, après le spectacle, pourquoi pas, aller faire un petit tour au casino. Ça peut être possible. Oui, juste pour finir, venez à ce spectacle pour bien démarrer votre été. Ah bah Vous allez voilà. voir, c'est quelque chose à vous Voilà la petite Donc, phrase bienvenue, magique. on vous attend. La petite On phrase vous magique attend. qu'il Et fallait je ne rajouter. regretterai pas, vous allez découvrir beaucoup de choses. Eh ben oui, parce qu'on va découvrir la musique, on va découvrir aussi des instruments aussi typiques. C'est vrai que c'est une culture qu'on ne parle peut-être pas assez, donc c'est toujours intéressant de venir au Palais des Congrès samedi pour justement éveiller et enrichir sa soif un petit peu de curiosité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Karen. Merci Willy pour l'accueil. Merci à tous et à très bientôt. Et puis alors juste avant de se quitter, on va quand même rappeler aux gens qui peuvent voter. Hein, vous avez en haut à droite de l'écran le chiffre 2. Ça veut dire que si vous décidez qu'on envoie une équipe de télé faire un reportage, bien sûr, sur le spectacle, Charles Aznavour et sur l'association, l'Amicale arménienne de Montpellier, vous tapez en commentaire le chiffre 2. Voilà. Merci beaucoup, Karen. Merci Willy, merci beaucoup. À bientôt.